Chers amis, bienvenue à cette nouvelle série de vidéocapsules intitulée Jésus-Christ, Marie-Paul et le chemin qui conduit à Dieu. Dans cette série, nous allons étudier ensemble l'enseignement spirituel que Jésus-Christ et Marie-Paul ont laissé par leur parole et l'exemple de leur vie. Nous nous inspirerons de leurs vertus et nous apprendrons l'importance de faire la volonté de Dieu. Pour bien situer le chemin que Jésus et Marie-Paul ont tracé pour nous, il nous faut d'abord remonter à l'origine de la création. Il y a très très longtemps, Dieu et l'Immaculé, dans un amour infini, ont créé l'univers dans le but de se donner des enfants au sein de celui-ci des fils et filles de l'amour. La première étape a consisté à mettre en place les astres, la terre, les plantes et les animaux. Ensuite, Dieu et l'Immaculé ont suscité l'être humain, homme et femme, et ils ont vu que cela était très bon. Dieu donna à l'être humain une conscience et lui apprit à distinguer entre le bien et le mal. Car pour que l'être humain devienne un jour pleinement fils ou fille de l'amour, il ne lui suffit pas d'exister. Il doit se laisser transformer en amour en commençant par faire le bien et renoncer au mal. Sur la terre, Adam et Ève étaient très attentifs à leur conscience, jusqu'à devenir des spécialistes du bien. En récompense pour leurs grands efforts, Dieu les fit monter plus près de lui. Jusque dans le paradis terrestre. C'était une première étape importante de la montée de l'être humain vers Dieu. Pour permettre à Adam et Ève de monter plus haut encore et de devenir pleinement amour, Dieu leur insuffla une étincelle de son esprit. Il leur donna un rayon de son être divin. De cette manière, Dieu permettait à l'être humain d'accéder à la vie éternelle. Il faisait de lui son enfant pour toujours. Ce geste est aussi grand et aussi important que tout l'ensemble de la création. Il en justifie tout le déploiement. Nous connaissons la suite de l'histoire car elle fut à l'origine d'un lent et dangereux détour dans la montée des êtres humains vers Dieu. Satan, si jaloux de cet accomplissement, séduisit Adam et Ève. Il les incita à désobéir à Dieu et à ne pas respecter le don que Dieu leur avait fait. Ils ont alors péché et ils sont retombés sur la terre physique, notre planète. L'Esprit divin habitait encore dans leur cœur. Il habite toujours dans le cœur de leurs descendants, mais le péché a obscurci leur compréhension de ce mystère, et un voile épais s'est installé entre leur corps spirituel et la présence divine. Dieu et l'Immaculé devaient donc sauver les êtres humains de l'obscurité du péché et rétablir le contact avec eux. Il fallait leur rappeler et leur démontrer qu'ils étaient leurs enfants. Les êtres humains l'avaient oublié, à un tel point qu'ils vivaient dans la peur de Dieu et qu'ils ignoraient l'existence de l'Immaculé. Il fallait aussi leur montrer de nouveau de quelle manière ils peuvent monter vers leur Père et leur Mère. Qui les attendent dans le monde divin. À cette fin, Dieu et l'Immaculé ont commencé par se donner un Fils sur la terre, Jésus-Christ. Ils lui ont confié la mission de sauver l'humanité et de révéler que Dieu est un Père qui aime à l'infini les êtres humains qui sont ses enfants. Puis, en notre temps, ils se sont donné une fille, Marie-Paul. Ils lui ont confié la mission de régénérer l'humanité et de faire connaître l'Immaculée, la mère de tout ce qui existe et qui aime ses enfants à l'infini, comme le Père. Jésus et Marie-Paul ont accompli leur mission dans un amour sans mesure et dans une souffrance sans nom. Et voilà que, grâce à eux, les êtres humains peuvent reprendre le chemin vers le monde divin, en vivant dès ici bas en enfants de Dieu. Satan, le tentateur, sera bientôt complètement chassé du monde, et le voile entre les hommes et Dieu sera définitivement enlevé. Si Dieu et l'Immaculé nous ont donné la vie, s'ils nous ont insufflé leur esprit, et si par Jésus et Marie-Paul, ils nous ont sauvés et régénérés, nous devons encore apprendre et nous appliquer à vivre en fils et filles de Dieu. Pour avoir part à la vie éternelle, nous devons faire la volonté divine. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait, nous dit Jésus. Et aussi, celui qui fait la volonté de mon Père, celui-là est pour moi un frère, une sœur. Marie-Paul précise que la volonté de Dieu, c'est que nous soyons amour, comme lui est amour. Et dit-elle, être amour, c'est vouloir le bien de tous. Pour mieux comprendre la grandeur de ces paroles de Jésus et de Marie-Paul, nous puiserons tout au long de cette série dans les Évangiles, et surtout dans l'Évangile tel qu'il m'a été révélé, ainsi que dans les écrits de Marie-Paul. Je vous remercie de votre attention. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir ce qu'est vraiment la confiance en Dieu. Jésus y attache beaucoup d'importance et nous apprend qu'avoir confiance en Dieu, cela signifie l'aimer, mais aussi espérer et croire en lui. Cette confiance nous permet de voir tout venir de Dieu et de nous servir de tout pour aller vers lui, comme Marie-Paul aimait le dire souvent. Je vous donne maintenant ma bénédiction. Que la divinité tout entière vous bénisse, ainsi que le monde entier, le Père et le Fils, la Mère et la Fille, dans l'unité de l'Esprit. Amen.